Bon, Jasper, sans char, sans toit et sans contact. C'est parti! Bonjour! Comme je le disais plus tôt, j'ai rien pour m'accommoder, vu que tout est booké ici. J'ai vu quelques émissions de Men vs Wall, alors je devrais me débrouiller pas pire. Sinon, je vais adapter le mode de vie d'un hobo. Pas le choix, hein? Jasper! Donc, présentement dans un boutique souvenir, classique quoi. Je vais aller me réfugier dans la forêt en arrière de la ville. Donc, j'essaie de trouver une belle spot pour essayer d'avoir une vue sur les montagnes en arrière et sur la ville en même temps. Alors, faut que j'escalade ça à la Lone Survivor. J'ai même pas monté 20 mètres puis j'ai essoufflé. Parce que j'ai genre un fucking sac qui pèse genre 30-40 livres. Ouh! Lone Survivor! Ouh. Yeah! Hello! C'est toi mon voisin? Voisin de forêt? Comment tu t'appelles? Hey! Voici ma tente et ma vue au loin, là-bas. Là, ça m'aide une montagne. Donc, je vais rester ici pour le reste du séjour jusqu'à ce que mon train passe. Je vais profiter un peu de la nature, oublier Internet, puis prendre de l'air pur. Non, finalement, je vais utiliser mon LTE. J'ai mon sifflet de viol au cas où qu'il m'arrive de quoi, puis je traîne toujours sur moi un petit couteau suisse. D'un coup, on sait jamais, hein? On est dans la nature, Men vs Wild. Fait que c'est ça là, camper dans la nature, camper à Jasper. Bah c'est plate. Ah, check un peu la vue. Moustique! Ah. 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 Trop de moustiques ici. Petite vue ici. Bienvenue dans mon fort. Où qu'on est à l'abri des animaux de la forêt. Donc vous avez un repère ici, par là, et par là. Une vue presque sur 360 degrés. Et on reste alerte, hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Henry out. Mise à jour. Il fait tout noir, je suis toujours en vie. La température commence à baisser, alors il faut se mettre au chaud. Et aussi, il y a toujours des insectes qui arrêtent de faire du bruit et ça gosse. Vos gueules! Oh là là! Rapport, minuit 7. Il y a beaucoup de bruit de train et de construction au loin. Je ne peux pas dormir. J'ai mal au dos. Je crois que j'ai dormi sur une branche. Damn. Bon, ben... Programmation de la journée. Je vais sûrement aller en ville puis checker les boutiques souvenirs puis d'autres crap. Là. Le totem qui surveille quand mon train arrive parce que là, je suis tanné. Mon ami, la mascotte, Jasper. Yeah. Donc, c'est ça, Jasper. C'est pas mal similaire qu'à Beth. Donc, plusieurs boutiques souvenirs, des restos, des hôtels. Tout ça entouré de montagnes. Fait que c'est ça, là. Je suis en train de manger mes petites bouchées de pizza avec ça. Chouchou! C'est quand qu'arrive mon train? Je suis en train de VJ avec ma slush, là. Qu'est-ce que vous voulez? Wow! Pique-nique numéro 2 dans un parc.
j'ai rien à faire. Une petite journée de détente à Jasper, donc je m'apprête à écouter un film, mais avant, je profite de cette belle vue. Journée pluvieuse, parfait pour écouter un film. Yeah! Je suis un sans-abri. C'est plate d'être un hobo parce que tu fais juste dormir toute la journée. Mais bon, moi j'ai de l'argent, pas besoin d'enquêter pour aller manger. Je me retrouve au centre de fitness et aquatique de Jasper. Donc je suis allé au spa tantôt pour me décongeler de la nuit glaciale et là je me trouve ici. Pour faire de l'escalade à la Jason Momoa. C'est parti! J'ai pas de craie, alors ça part mal. Où est-ce que je vais? J'aurais un tuile qui a bougé, what the fuck? C'est l'heure du post-workout meal. Ça va être bon. Post-workout meal. J'ai une Smithies. Je vais avoir tous les avant-bras pétés demain. Mais bon, donc c'est ce qui complète ma vidéo à Jasper. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, donnez-moi un like. Sinon, vous pouvez abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes autres vidéos dans l'Ouest canadien. Et on se dit à la prochaine, quand on s'envoie à Saskatoon. Salut!